Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, dans le chapitre d'interpolation polynomiale, donc, on a une partie de spleen cubique naturel. Alors, c'est quoi le spleen cubique naturel? Donc, c'est un polynôme d'interpolation cubique, c'est-à-dire de degré 3. Alors, on a les points d'interpolation. Donc, on a n plus un point d'interpolation. Mais, dans ce cas, la différence binaire ou bien le polynôme d'interpolation. Donc, on dit les points d'interpolation x1, x2, x3 jusqu'à xn. C'est-à-dire les points d'interpolation. Alors, au lieu de trouver un polynôme directement qui passe par tous les points, donc on va trouver ce polynôme sur chaque sous-intervalle. C'est-à-dire, ici, on va trouver un polynôme cubique sur l'intervalle x0, x1. Et après, on va trouver le deuxième polynôme sur le deuxième intervalle. Donc, par exemple, celui-là. Et ainsi de suite, un polynôme global qui est la somme de plusieurs polynômes de chaque intervalle. Mais parmi les conditions, c'est qu'il faut que ces polynômes sont continus à des points d'interpolation. Donc, c'est-à-dire le polynôme TI, S de X, donc, contient le polynôme S0 ou contient le polynôme S1, attend S1 moins 1 de X. Alors, parce que là, on a dit X0, X1, X2, attend tel Xn, alors on a qu'un S0. Okay, S1, S2, c'est le dernier niveau, S1 moins 1. Alors, S0, c'est un polynôme de degré 3. Donc, la formule TA est écrite sous forme. Donc, A0 fois X moins X0 à la puissance 3 plus P0 fois X moins X0 au carré plus C0 fois X moins X0 plus D0. C'est la même chose pour A1, S1, donc les incognito 1. Donc chaque polynôme sur chaque intervalle a les coefficients T1, les coefficients A0, B0, C0, les coefficients T1, c'est X1, B1, C1, D1. Faites attention ici, c'est le point x1. C'est 1 fois x moins x1 plus d1, c'est le dernier. Donc, il y a a1 moins 1, x moins x1 moins 1 plus b1 moins 1 fois x moins x1 moins 1 au carré. Plus c1 moins 1 fois x moins x1 moins 1 plus d1 moins 1. Alors, maintenant, le polynôme, c'est-à-dire sur l'intervalle, si x entre x0, x1. Maintenant, si x entre x1 et x2. Tel le dernier, c'est x entre x1 moins 1 et x1. Voilà, c'est ça l'écriture générale d'un spleen cubique sur chaque sous-intervalle. Donc, c'est-à-dire l'écriture générale donc, sur chaque sous-intervalle i, si de x ici crée les coefficients de a, i, b, ici, i, d, i. C'est-à-dire le nombre des inconnus dans ce cas. Alors, par exemple, AI, on a 0, n moins 1. C'est-à-dire on a un inconnu à AI. On a un inconnu à BI, un inconnu à CI, ou un inconnu de. C'est-à-dire le nombre des inconnus, on a 4 n. Donc, inconnus. Donc, problème, c'est-à-dire pour trouver ADO, c'est-à-dire on a besoin de 4 n équations. Parce que le nombre des équations est correspondant au nombre des inconnus. Alors, comment on va résoudre ce problème? Alors, les conditions du point d'interpolation nous permettent de calculer A et B ici et D et les conditions de spleen cubique naturel.
Alors, la première condition, puisque S est un polynôme d'interpolation, SI de XI est égal à YI pour toute I variée de 0 jusqu'à 1. Donc ça, c'est la première condition. Alors ça donne 1 plus 1 équation. 1 plus 1 équation. Là, parce que 0 jusqu'à 1. Z. La deuxième condition, donc la continuité du spleen au point interne. C'est-à-dire qu'on a un x0. C'est-à-dire que le point interne. Alors, deuxième condition, donc on a un spleen S0, on a S1. Alors, spleen S0, j'ai là, et deuxième intervalle, j'ai qui marque. C'est-à-dire continue on a le point. C'est-à-dire même S1 à S2, ثاني, S2 à S3, même tali, il y a S1-1, S1-2 à S1-1. C'est-à-dire que les points sont continus. Alors la condition de continuité, ça donne XI. XI plus 1, les points internes, faites attention, est égal à XI plus 1, XI plus 1. C'est-à-dire qu'on a le point où i est de 0 à 1-2. Parce qu'il est de x1. La continuité, on a x1, les points inter, x0, x1, non. C'est pour ça, maintenant, alors cette condition donne 1-1 condition. 0 à 1-1. La troisième condition, aussi concernant la dérivée, c'est-à-dire la dérivée entre les points internes, ils sont continus. C'est-à-dire la dérivée aussi continue. Pour toute i variée de 0 jusqu'à 1 moins 2. Donc, on a tenu de mettre l'i 1 moins 1 équation. Et la quatrième condition. Aussi pour la deuxième dérivée, parce qu'on a spleen cubique, c'est-à-dire d'ordre 3, donc la deuxième dérivée reste continue entre les points internes. Pour tout i varier de 0 jusqu'à 1-2. Donc on a tenu maintenant 1-1 condition. Alors, on a dit 1 plus 1 condition, 1-1, 1-1, 1-1. Lorsqu'on fait la somme, on a 4n-2. Mais on a aussi deux conditions. Alors, on a les conditions de la. Qu'est-ce que ça dit? Un spleen naturel. Spleen naturel, c'est la deuxième dérivée. Le point x0 de la première cubique, c'est nul. Et le dernier cubique. Et le dernier point aussi est égal à 0. Donc, c'est la condition où les goulules spleen naturel. Donc, on a fait le programme maintenant spleen naturel. Alors, il y a deux conditions supplémentaires. Alors, on trouve 4 équations. 4n équations, c'est-à-dire pour trouver les coefficients, les 4n inconnus de spleen de chaque sous-intervalle. Alors, exemple, donc soit la fonction f de x est définie par Moorson, c'est-à-dire est égal 5x à la puissance 3 moins 3x sur l'intervalle moins 1, 0, et est égal cette partie sur l'intervalle 0, 1. Alors, on voit ici que moins 1, 0, 0, 1. Alors, ici, on a combien de points d'interpolation? Donc, on dit le point moins 1, 0 et 1. Donc, on a dit x0, x1 et x2. معناتها شحال نحتاج من سبلين كوبيك ici دونك نحتاج غير دو هنايا S0 هنا S1 تدير هذا نفرض نسمي S0 وهذا نسمي S1 لو بروبليم قالك اسكو اف ايت ان سبلين كوبيك ناتورال alors on va voir les conditions de spleen cubique donc عندي les points d'interpolation alors premièrement on va vérifier la continuité عند le point les points internes x1, c'est-à-dire, je vois, est-ce que S0 de
x1 est égal à s1 de x1. Alors, vérifions que nous avons maintenant. غادي نلقاو اس 0 دو اكس 1 عند 0 كي تعوض هنا بالزيرو غادي تعطيك 0 اسكو ايتيغال اس 1 عند 0 كي نعوضو هنا بالزيرو نلقاو ثاني 0 دونك لا كونتينيتي عند لي بوين انتر دونك لا بروميير كونديسيون اي بيان فيريفي. Alors on va vérifier la deuxième condition. On a la dérivée de la deuxième dérivée. On a la première dérivée et la deuxième dérivée de deuxième spleen. Alors on va vérifier la continuité de la dérivée entre les points internes. Faites attention qu'il y a un point interne qui est 0. Alors, qui est en train de 0, la dérivée de 0, on a 0, on a aussi 0 et on a égal. Donc la première condition bien vérifiée, deuxième condition bien vérifiée. Maintenant, on va vérifier la troisième condition, c'est la continuité de la deuxième dérivée. On a S0. Faites attention, on a S0. Alors, lorsque on remplace par 0 ou deuxième dérivée, donc, on a la deuxième dérivée. Donc, tu as 0, tu as moins 6. On a tenu chat, tu as moins 6. Donc, Raham égal. Donc, dans ce cas, la fonction f est un spleen cubique. Donc, on a un spleen cubique. Donc, on va voir est-ce que cette spleen est naturelle. Alors, je suis naturel, race. Entre la deuxième dérivée, entre les extrémités qu'on a nul, c'est la deuxième dérivée, hein, faites attention, c'est-à-dire là, on a la deuxième dérivée entre point moins 1, deuxième dérivée, c'est la deuxième cubique entre le dernier point. Alors, on les compte, donc on a la deuxième dérivée, donc la deuxième dérivée c'est, donc on a 30 fois moins 1, moins 6, donc on a moins 36. Et on a un double 1, donc on a moins 30. 1 moins 6 moins 36 qui est différent de 0. Je suis naturel, je suis 0. Donc f n'est pas une spline cubique naturelle. Ça ou une spline hein? Cubique. Parce que le degré est 3. Alors, exercice, donc essayez de le faire. Donc, trouvez le spleen cubique naturel pour les points suivants. Donc, 1, 2, 3, les images 2, 3, 5. C'est-à-dire, ici, on a 3 points. C'est-à-dire, il faut trouver le spleen ici. C'est mon S0 de X. On a le spleen, un ion, le S1 de X. Alors, le spleen fait 4 inconnus. Ou alors, fait 4 inconnus. Le nombre des inconnus est 8. Nous avons 8 équations. Donc, les conditions que nous avons faites, nous avons les 8 équations. Nous avons les inconnus, les coefficients de S0 ou les coefficients de S1. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais essayer de faire la correction de cet exercice. Donc, cette séance est terminée. Je vous remercie.